Zendaya, son exorbitant salaire pour jouer la saison 3 d'Euphoria dévoilé. Pour la saison 3 d'Euphoria, Zendaya va devenir l'une des actrices les mieux payées de la télévision. Découvrez son salaire exorbitant. Par épisode, en tant qu'interprète de Rue Bennett et coproductrice de la série. Elle est devenue la star d'Hollywood en quelques années. Vous l'aurez deviné, il s'agit de Zendaya. Avec ses robes toutes plus belles les unes que les autres et ses brushings parfaits. Elle a envoûté petits et grands écrans. Après avoir remporté 2 Emmy Awards d'affilée. Dans la catégorie de meilleure actrice dans une série dramatique, pour son incroyable interprétation d'une adolescente accro à la drogue dans la série HBO. Euphoria, la brillante actrice reçoit également un Golden Globe 2023, pour le même rôle. La compagne de Tom Holland entrait dans l'histoire, puisqu'elle était la plus jeune comédienne récompensée dans cette catégorie. Merci à Sam Levinson d'avoir partagé Rue avec moi. Merci d'avoir cru en moi-même quand moi-même je n'y croyais pas. Et je voulais juste terminer en disant que mon plus grand souhait est que Euphoria aide les gens à guérir. Je voudrais remercier toutes les personnes qui ont partagé leur histoire avec moi. Avait-elle déclaré pendant son discours de remerciement. À 26 ans, elle est une véritable étoile d'Hollywood, largement adorée par ses fans. Ce lundi 27 février 2023, le média spécialisé pour les professionnels d'Hollywood, PUC, a révélé le salaire de Zendaya pour la nouvelle saison d'Euphoria. Le média explique dans un article que la comédienne de 26 ans aurait renégocié son contrat avec HBO. En tant qu'actrice de Rue Bennett et productrice de la série. Pour cela, elle gagnerait pas moins $1 million par épisode. Comme l'a expliqué PUC, ce niveau de rémunération n'a concerné que quelques rôles principaux dans l'histoire des séries. Comme ceux de Friends dans sa dernière saison, les rôles principaux de Game of Thrones. Ou Nicole Kidman et Reese Witherspoon dans Big Little Lies. Point. Un honneur, donc. À seulement 26 ans, elle devient l'actrice noire la plus jeune et la mieux payée à la télévision. Si la date de la saison 3 n'a pas encore été annoncée, la rumeur évoque un possible retour en 2024.